Salut à tous à la salle. Dans cette vidéo, nous allons présenter nos meilleures tenues. Alors, c'est clair que mes tenues à moi vont être totalement différentes des vôtres. Bon, voilà. Sauf que vous avez fait des tenues qu'on peut facilement faire. Moi, il faut que je vous présente FK Mode, les gars. Je vous l'ai pas encore présenté, mais faut que je vous le présente, sinon vous allez pas comprendre ce qui se passe au niveau de mes tenues. Bon. Première tenue qui commence, Unwin. Vas-y, on commence par toi, Unwin. Je me Alors, mets en première personne. vous avez ma tenue qu'on appelle la tenue du... Ah oui. Voilà, Wouh! en fait c'est le D'accord. chien. Et voilà. Et donc cette tenue en fait elle est bien parce que elle est assortie, donc toute la tête du chien est assortie avec les gants, le dégradé du manteau, enfin tout quoi. Donc voilà. Est-ce que Et ça te du coup permet j'aime de... bien faire ça et faire wouf. Voilà, je suis Didier, Est-ce que mon tu chien. ressens mieux les choses maintenant? Ouais, c'est vrai que tu vois, je me sens chien comme ça. C'est vrai. Tu vois, par exemple, là, hop, je vais dans le rocher ici, la salle, je fais Aboie, pipi. aboie, une, vas-y, aboie. Ouf, D'accord. ouf, ouf. Ah, Voilà, allez, exact. on passe à la tenue d'Eden. Vas-y, montre-nous. Donc, moi, c'est une tenue simple, hein, plutôt jolie, je trouve, avec la petite muselière. Parce que tu sais très bien, si moi je mange quelqu'un, voilà, tu vois, je sors mon couteau et je le mange, moi, tu vois, je le déguste. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû mettre On une peut dire muselière qu'Eden n'a pas de style. pour éviter de trop crier ou des trucs comme ça, En fait, tu je vois. vois pas le rapport des chaussures, en fait. Bah, les chaussures, c'est pour C'est différencier, c'est vrai pour crier. que ton style est J'avais PS avant et du coup. vraiment incroyablement dégueulasse, mais Non! nous le validons quand même parce que c'est un style et tout style est Voilà, valide. c'est bon. Voilà, Voilà, c'est un chacun son style. style, chacun son style. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ma tenue? Bah, on a l'impression que t'as un Ah, faudrait allié, que tu quoi. rendes le casque. Voilà ce que j'ai envie de dire. Le casque est plus grand que ta tête, quoi. Eh, mais t'as pas de truc, toi, là? T'as pas J'ai de pas pied? de En fait. cheville, non, mais c'est parce que c'est les nouvelles chaussures de Retour vers le futur. Ah, même ça te fait invisible. C'est un retour vers le futur avec la cape d'Harry Potter, c'est ça? Voilà. Alors, comme vous Attends, mais voyez. Ouais. en fait, toi, tu vas braquer, mais en même temps, t'es policier. En même temps, tu fais de la moto. Ah ouais, En fait, t'as ça tout mis, tourne. t'avais pas quoi mettre. Tu t'es dit, il faut que je parte en vacances. Tout ça en Le allant dans problème, c'est l'espace. que j'ai trop de valises, donc je dois mettre les vêtements sur moi. Tu les as mis sur toi, c'est ça? Plus un Alors, masque de popo. venez voir ça fait comment à l'intérieur. On va pas loin, on va Vas-y. juste ici. Voilà, regardez, ça c'est deux dos. Ah ouais, en gros. Ah ouais, ça brille. Ça, voilà. Et de face, ça donne ça. Ouh. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, C'est franchement pas c'est mal pas du tout. on peut passer à la tenue suivante, les gars. Hop, on ressort. Allez, quelle est votre deuxième tenue? Alors ma tenue, je pense que tout le monde la connaît. Alors c'est, attention, c'est celle-ci. Ah, la tenue qu'on connaît tant. Donc, le masque de chérubin, je pense que c'est un petit peu grâce à moi que tu le portes beaucoup. Ouais, c'est une dédicace à bah avant tu la mettais tout le temps. Ouais, Du c'est coup, je me vrai. suis dit petite dédie pour la salle, tu vois. Voilà. Et attends, parce que en fait cette tenue, elle va pas avec ce que je viens de faire, donc cette tenue, elle va avec cette action. Voilà, peace. Et donc en fait, Ah. je m'habille comme je m'habille chez moi, donc c'est-à-dire que je me balade en caleçon, zizi à l'air parfois, donc Mais c'est par plus contre, pratique, quoi. et t'as toujours été pieds nus avec cette tenue. Toujours été pieds nus. Parfois, je mets des chaussettes, ça dépend. Mais j'aime bien comme ça. Tu vois, comme ça, si j'ai envie de faire pipi, hop, je sors direct mon zizi. Pas besoin d'ouvrir la braguette, rien du tout. Et Tu tu mets vois? jamais des Ah. tongs? Non. Jamais. Et là, regarde, là, tu vois, j'ai un petit nœud de cravate. Ça, c'est pour les filles. On appelle Quand je ça un suis nœud de dans un papillon, hein. Pas un nœud de Ok, cravate. ça Ouais, marche. c'est De nœud de toute façon, papillon. ta tenue, on la connaissait déjà. On la voit tout le temps. Aiden, vas-y, deuxième tenue. Moi, c'est celle-là. Eh, Oh, franchement. shit! Eh, il y a quelque chose quand même. C'est bien, je trouve, non? J'ai Franchement. remarqué, Eden, il aime bien le noir. On dirait comme ça, un espèce de majordome comme ça, bizarre. Et en fait, non. Le Par gars, tu contre, vois, c'est James Bond. ton personnage derrière le masque, c'est un mélange entre Doc de Retour vers le futur et Raiden de Mortal Kombat 3. Ouais, c'est Ouais, parce que Mortal ça, c'est Kombat. pas. Ça, Je sais pas pourquoi on je dis m'a 3. modifié ma coupe. On a Oh, c'est pour la modifié ma coupe coupe. là. Mais on m'a modifié ma coupe. On juge pas la coupe, les gars, c'est les vêtements.
Et moi, c'est parce qu'on a modifié ma coupe et je sais pas pourquoi je me retrouve avec ses cheveux blancs. Ok. Et tu vois comme ça. La 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 la. Alors. Il dit non, tu vois. Maintenant, vous allez me dire ce que vous pensez de ma deuxième tenue. Vas-y. Wow. Oh my god. Wow. What is this shit? Il était puni quand il était petit. Ouh. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, ça fait peur. Pas mal, pas mal. Franchement, pas mal. On dirait quelqu'un qu'on lui a enlevé sa peau comme ça, qu'on lui a dit t'es puni, hop, et on lui a ah, dit ouais, t'as le droit d'écouter de la musique. Ah, mais en fait, c'était pas comme si on mettait le masque. Tu vois, on dirait que c'est vraiment toi, quoi. Je sais pas comment le dire. Ouais, c'est ça. Par contre, t'écoutes la musique avec, avec bah, tes dents. Ce qui est bien, c'est que la salle, en fait, j'ai l'impression d'être au docteur comme ça, où on me présente les muscles de, du visage. C'est les panneaux là, c'est les mêmes. Avec alors, le petit sac, tu changes pas. Hein. Du coup, ouais, je vais vous présenter les autres tout de suite. Hein. Oh, pas mal celle-là. Franchement, c'est l'une des meilleures que je kiffe. Hein. Vraiment, elle est pas mal. Elle est magnifique en blanche comme ça. En plus, c'est assorti avec les gants et tout, c'est magnifique. On dirait pas un peu au niveau du visage, on dirait pas une abeille. Ouais, c'est vrai. Voilà. Attends, attention. Bis, 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 c'est bis, 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 c'est bis, bis, bis. C'est comme ça de la purge surtout. Moi ça me fait penser à ça. Tu le vois arriver le gars en blanc comme ça, ça fait, je sais pas, ça fait peur. Ah, c'est clair qu'avec ça on va purger. Vous êtes prêts pour la suivante? Ouais. Wow. Alors. Oh my god, elle est magnifique celle-là. Qui a dit qu'il y avait pas de tenue verte sur GTA? Vous vous rappelez la dernière fois quand je vous ai dit ouais les gars on s'habille en vert, vous m'avez dit ouais il y a pas grand chose en vert. Et là il y a pas grand chose. Et même le sac, bah là, il est assorti. Hein. Ouais. Là, ça, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, avec la tête, on dirait un aquarium comme ça, où on fait pousser une plante. Et en fait, bah, ça a donné une tête. Ou un extraterrestre un peu. Ça ressemble à un extraterrestre plutôt. Bah, c'est vrai en que. On dirait un peu un alien, ouais, c'est vrai. Ou alors un humain qui s'est transformé en plante. Et pour respirer, il a besoin de son casque. En plante, mais t'es bizarre, toi. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Ouh, celle-là pour l'instant. Elle donne le sourire, ça on peut le dire. Parce que voilà. Ouais. T'as une tête, on dirait une bouteille d'Origina. Ah non, franchement, pas mal celle-là. C'est assorti en fait, c'est que j'aime bien. Et t'as les menottes. Parce que tu vois, c'est orange comme mon logo, tu vois, ça j'aime. Ah ouais, t'as des menottes en plus, ah ouais. Les chaussures, pas les mêmes, hein. Wow. Alors, celle-ci, elle ressemble à l'autre, mais par contre, là, je suis tout en noir. Et ouais, on dirait t'as brûlé, en fait. Ouais, et celle-ci, elle brille aussi, hein. Vas-y, monte à l'intérieur, comment ça fait? Attends, il faut juste que je le mets... Ah bah, scintillement, je suis déjà en scintillement. On dirait pas. Tu peux voir? Si, regardez. Ah oui, ok, ouais. Tourne-toi de l'autre côté. Ah oui, ça se voit pas trop et c'est magnifique, hein. Ça se voit pas trop, ça fait bien. On dirait que t'es une lampe. Ouais. Et ta tête, elle fait vraiment peur, hein, par contre. Hein. C'est vrai qu'il y a moyen de faire un film d'horreur. On passe à la suivante. On va faire une photo, là. Selfie pour la minière. Tranquille. Ouais, tranquille, attends. On passe à... Vous êtes prêts? Ouais. Non. Bah, flic, hein. Bah, on connaît, c'est bon. Oh, mais bon, pas de bras. En plus. Comment t'arrêtes les gens? Alors, est-ce que vous aimez celle-là? Ça, j'aime parce que c'est une petite référence à Pogo. Bon, après, j'aime moins la couleur. Ouais, mais. Enfin, il est bizarre. Ouais, mais là, je suis en mode soldat. Le soldat singe. Ouais, c'est ça. Un soldat. Ben, il faut sauver le soldat babouin, c'est ça. Soldat singe, mi-singe, mi. Ah ouais. Bizarre en fait. On m'appelle le dernier des soldats. Regarde à l'intérieur, viens. Vas-y, on est derrière. Ah, par contre, celle-là, elle est stylée à l'intérieur. Hein. Tourne-toi. Ah ouais. Tu vois par un derrière, singe comme c'est ça, abusé comment c'est stylé hein, par derrière. En plus, ce que j'aime bien, c'est que t'as les yeux tout noirs. C'est-à-dire, en fait, on sait. Il n'y a rien derrière le masque. On dirait genre un fantôme qui a mis un masque. C'est ça que j'aime bien. Parce qu'on voit pas les yeux du cours. Il se calme. Désolé. T'as les yeux noirs, c'est magnifique. Je t'attrape pas quand je suis à poil. Vous êtes prêts pour la suivante? Ouais.
Ça me fait penser franchement... à un film d'horreur. Non, moi, ça me fait penser à un truc un peu comme Star Wars. Star Wars, oui, exactement. C'est ça. Franchement, hein, ça me fait penser à Darth Vador, mais Darth Vader... non, pas Star Wars. Ouais, c'est Grey Vador. Comment il s'appelle, là? Il y a un truc dans un film, ça. C'est dans un film, ça. Quoi? Non, c'est pas dans un film, ça. C'est on dirait Darth Vador. C'est Robocop aussi. En fait, c'est plein de trucs. J'ai trop peur, là, ça. Je suis ton père. Wow, la nuit, ça fait flipper, t'as les yeux noirs. Les yeux noirs violents. Pouah, faille les goutisada, tu peux le dire. Et moi, je te croise à la rue comme ça, je cours. Ah, c'est vrai que moi, ça fait peur. Attention, je crois que c'est la dernière, là. Attention. Bon, fais voir, fais voir. Ah. Nous allons passer... Attends. Style... Style. Waouh! Est-ce que vous aimez celle-là, quand même? Splinter Cell, en bleu. On dirait... Ouais, c'est vrai. Mais franchement, on va dire que t'es équipé, quoi. T'as les lunettes pour voir à travers, t'as la respiration, t'as un sac à dos, t'as une matraque, t'as tout ce qu'il faut, là, t'es... Mais celle-là, je kiffe trop la couleur de la tenue. En violet, tu sais, ça chauffe. Bleu nuit, en fait. Comme ça. Bleu nuit. Alors, sachant qu'elle doit briller aussi, donc on va aller voir... Ouais. En violet normalement. Ouais, c'est ça, parce que c'est violet. Oh my god, par derrière. Oh, violet, ça rend magnifique par contre. Hein. Oh, bleu violet comme ça. Mm. Et par contre, ces petits logos derrière, c'est stylé. Oh, c'est devant quand même. Waouh. Wow, c'est moins impressionnant que par derrière par contre. Eh franchement, de près comme ça ou un peu de côté, ça fait flipper. Regarde-toi là, Nuna, la première personne. Non, moi ça me fait pas peur. Tu vois un gars comme ça dans la grotte, tu vas me dire tu restes. Non, franchement, ça me fait pas peur. Celle d'avant, ouais. En fait, celle-là, déjà, il va analyser des trucs. Tu vois un gars comme ça, tu te dis lui, il va me tirer dessus, quoi. Tu. Ouais, il est pas là pour blaguer. Ouais, voilà, c'est ça. Regarde, on est avec les lampes torches. Par contre, je crois que c'était. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Hein. C'était la dernière, parce que là, on revient à celle-ci. Wow, celle-là, c'est comme l'une des meilleures. Est-ce que je te montre une tenue que je voulais te montrer aussi? Bah, non, oui. Je te laisse pas comme ça. Mais exactement. La tenue qui s'appelle que j'appelle la tenue du pêcheur poisson. Voilà, c'est celle-ci. Yeah. Donc, en fait, celle-là, je la prends, je vais pêcher des poissons avec des poissons clowns, parce que tu vois, je suis en clown. Donc j'ai pêché des poissons clowns et uniquement des poissons clowns. La dernière fois, j'ai pêché une sardine et je l'ai rejetée, quoi, parce que je pêche que des poissons clowns. Voilà. Alors moi, la seule, regarde, c'est simple, j'ai cette tenue là pour la purge, tu vois. Ouais. Ça, c'est une tenue purge. Ou sinon, de temps en temps, bah ça c'est mes kiffs personnels. Hein. Mais j'aime bien mettre celui-là. Voilà, tu vois, comme ça. Tu sens que le gars, il est là pour la fête, tu vois. Celui-là, c'est vrai que... Je me balade comme ça. C'est pas mal. Je dis bonjour aux gens. Eh, salut. Et après, je cours, tu vois, je m'en vais. Eh, bonsoir. Celui-là, j'aime bien. Tu vois, après, on peut courir. Et les gens, ils me confondent avec un vrai cheval. Ou et un tu zèbre, sais ce qu'on dit. Après, j'ai la tenue de tes jeux, quoi. Le cheval... Ouais. Qui cavale. C'est... Eh oui. Eh oui. Eh. Attends. Je te reconnais, ça, c'est tenu des jeux.